Salut mon petit. Hey, bonjour le boss. Ça va? Hey, oui, ça va. D'accord. Ah, le boss. Si j'ai eu l'un de sucre pour le thé là, c'est pas mauvais quoi. Yeah! le boss arrive. C'est sûr qu'il va verser des billets éventuellement pour le sucre. Ça là, sucre 1000 francs, il va donner 20 000 comme ça. On verra bien. Attends, donc toute ta vie, c'est le fait du thé. Tu cherches pas à travailler? Yeah! Tes amis sortent pour aller chercher leur pain quotidien et toi tu passes ton temps à t'asseoir à ne rien faire. Voilà. Et que maner l'argent du sucre. Yeah. C'est ça ta vie? Attends, dis-moi. Tu veux mourir pauvre dans la paresse? Non, boss. Non, moi je te permets pas. C'est pas parce que tu as réussi ta vie que tu vas penser que les autres ne se battent pas. Faut pas que tu me parles comme ça. Yeah. C'est pas parce que tu as réussi ta vie, nous on n'a pas réussi notre vie. Nous on est paresseux. Moi je n'aime pas ça. C'est quoi ça? Voilà, tu ne connais pas nos réalités. Nous là, on se bat. Moi j'ai des projets. C'est pas parce que tu as l'argent que tu as pensé que les autres sont paresseux à ne rien faire. Regardez ce qui va se passer ici. Si tu continues là, ça va aller très mal pour toi parce que. C'est ça mon guide. Hey, le boss, je suis désolé, un peu, c'est même pas pour émission emporter. Sinon, c'est conseil que tu m'as donné. Ah. Oui, ce que tu viens de dire tout de suite là, c'est conseil. C'est vrai, on est paresseux. Au lieu d'aller chercher travail, au lieu de se battre, on est là en fait. T'es, yeah! T'es là, on boit, t'es là, on les chier, on les pousser. C'est fini. Sinon, c'est conseil, hein. Hey, alors, non, c'est, toi, tu es vilain. Hein? Sinon, le boss, moi, il me bat en fait. Hein? Sinon, yeah, en fait, c'est financièrement qui me manque. Sinon, j'ai des projets. Ce financement-là, je n'ai pas. Moi, j'ai une boutique de télécom. Il n'y a pas assez de téléphones. Si tu fuis dedans, il y a 5 téléphones seulement. Même boutique de produits divers. Ça, là, si tu rentres là, c'est biscuits et puis huile seulement. Ce financement, je cherche pour agrandir mon commerce. Mais qui va financer ton projet? Moi, mon gars. C'est toi qui dois payer ton propre financement. Hein? Ça doit venir de toi-même. Hein? La banque ne finance pas les personnes de basse classe. Yeah! Tu sais, j'étais comme toi. Je me promenais et je vendais des œufs. 100 francs, 100 francs. Mais aujourd'hui là, j'ai une dizaine de fermes de poulets qui produisent des millions d'œufs. Waouh! Non, le boss, tu m'inscris vraiment. Toi là, tu demandais. Depuis que je suis arrêté là-bas en train de t'écouter là, tu ne dis même pas la vérité. Au moins, dis-lui la vérité afin qu'il puisse avoir un financement aussi pour ses projets. C'est quand même vrai. Quoi? Mon frère, c'est grâce à Afrique Réelle qu'il est devenu aujourd'hui comme ça. Attends, donc toi, tu es obligé de venir me ridiculiser ici, quoi. Hein? C'est comme ça, je fais découvrir ton secret. C'est comme ça que tu as fait avec moi. Yeah. Je suis riche. Moi, je peux causer maintenant avec les Bill Gates, les Dangote, les Jeff Bezos. Oui, alors, ça le service d'établissement là. Ok, j'ai besoin de vos services. J'aimerais que la maison des parents de mon ex soit démolie. Yeah. Parce que je veux construire des toilettes publiques là-bas. Yeah. Oh, 6 000 CSA. What? Oui, ne vous inquiétez pas, la parcelle est déjà payée. Grâce à Afrique, je vais devenir entrepreneur.